Je suis à l'Alpe d'Huez avec mon vélo de route, le gravel. Donc on va voir si je peux déjà arriver en haut et combien de temps je vais pouvoir mettre. Sachant que le record, je crois, actuel de la montée, c'est Marco Pantani, doit l'avoir vers les 37 minutes. J'ai mis mon cuissard, j'ai pas encore rasé les jambes. Hein. Si je m'y mets vraiment, je me raserai les jambes. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi les cyclistes sur route se rasent les jambes? Petite question. Marquez dans les commentaires, on va voir si vous savez vraiment pourquoi les cyclistes se rasent les jambes. Bon, bah écoutez, allez, je suis tout seul pour cette montée, donc je me mets en caméra embarquée. Gants du Tour de France, hein. Là, on a un petit échauffement, une petite partie de plat avant d'attaquer la vraie montée. On mettra le chronomètre en bas. Ferrari, ouais, ça va plus vite avec la Ferrari. Hein. On arrive au pied de la montée. Alors, départ officiel du chrono ici. Du coup, bah moi, je vais lancer mon chronomètre. Start. Allez, c'est parti. Première montée, 8% déjà, 8% de pente. On va aller tranquille là, je pense qu'on est parti pour un bon petit moment. On va essayer de trouver son rythme. Il y a déjà des gens devant, on va essayer de les doubler petit à petit. Allez, courage les gars. Merci, on est presque arrivé. Hein. Presque arrivé, ouais. Ça fait bon. Premier virage sur 21. On est à 800 mètres d'altitude. Le soleil commence à arriver là. Oh, le petit bol d'air frais. Merci le camion. Oh, ça pue. Paul David. Quelle vue. Regardez la vue. Ma. Allez, courage les gars. Courage. Virage 18. Allez, virage 17. C'est blindé de voitures. On se fait frôler par les voitures. La descente va être chaude à mon avis. Allez, je vois deux riders devant là. On va aller les chercher. Brazil. Non, ah, good luck. J'ai rien compris d'où il venait. En tout cas, il avait un maillot Brésil, Alpe d'Huez, 10 km. On a un petit plat qui fait plaisir là. Enfin, un faux plat. Le plat ici, ça n'existe pas. Bon, en tout cas, on peut faire tourner les jambes. Nouveau rider devant, allez chercher. 15e virage, 980 mètres d'altitude. Un petit plat qui fait plaisir ici. Pour relancer avant une bonne montée, on commence déjà à tirer sur les jambes. Bah deux de front, forcément les voitures elles galèrent à doubler. En vélo de route c'est le genre de truc qu'il faut éviter de faire. Sauf si tu veux te faire shooter. Oh, il y a un tandem devant. On va aller voir le tandem. Et on arrive au 14e virage. Vous l'avez compris, hein, les chiffres là ils sont dégressifs. Le prochain sera le 13. Donc il me reste encore 13 virages à passer. Il va y avoir une course parce qu'ils ont tous des dossards, des plaques de cadre. Il va y avoir une course ce matin très tôt. La montée et la descente de la Côte d'Huez. J'aurais dû la faire. J'ai du mal à me réveiller. Là il doit être 11h. C'est encore bon en vrai, ça va. Brésil? Non, Portugal. Ah, Portugal, ok. Your friend down? Yeah. Ok, good luck. Portugal, voilà. J'avais compris Puerto Rico, moi. Portugal en fait. Bonjour. Alors, on se rapproche là-bas du tandem. Voyons ce que c'est que cet engin. Allez, 13e virage. Marrant. Ça pédale deux fois plus vite alors? En descente, oui. Ah oui. Mais quand même, vous êtes les premières qui nous doublent. J'essaye de tenir alors. Oui, bonne route. Merci, vous aussi. Quel virage, 12e. Ça y est, j'ai arrêté de compter. Ça veut dire que je commence à fatiguer ça. Presque à la moitié. 11e virage. Derrière, ça veut doubler. On va essayer de tenir la cadence. Personne ne m'a doublé encore. Je sens que ça arrive fort derrière. Bonjour. Vous voyez là-haut là? Faut aller tout là-haut. Tout là-haut. Virage numéro 10. Allez, plus que 10 virages. 9e virage. Là, on rentre dans le raid. Allez, courage. C'est la voiture. Allez, plus que 8 virages. Et on a 1345 mètres d'altitude. La remontée. On a allumé le deuxième moteur. Ah ouais, ça y est, le moteur est allumé. Ouais. Allez, on arrive au village de Huez. Je crois qu'il reste encore 4 km jusqu'en haut. Avec 7 virages. Est-ce que je vais réussir à redoubler le tandem? Suspense. Je vais tourner un peu les jambes parce que là, on attaque la grosse partie. Faut aller jusqu'au chalet que vous voyez tout en haut. Et on attaque une partie à 11-12%, la plus dure. On se garde un peu d'énergie. C'est pas pour moi, je suis pas fan d'excès de vitesse. Hein. Allez, plus que 6 virages. On a 1480 mètres. On a la pause photo là. Je te fais un wheeling, attends. T'es prêt? Oh, allez. C'est dans la boîte. 5e virage, plus que 5. Oh, il m'a flingué ce wheeling. C'était le truc de trop ça. 4e virage, plus que 4. Allez. Ça va pas me faire gagner du temps, mais faut que je pisse là. J'en peux plus. Hop, c'est reparti. Plus que 3 virages. Plus que 3. Allez, c'est les 3 plus durs. Regardez jusqu'où faut aller. Énormément de dénivelé. On va y arriver. Plus que 2 virages. Allez, 1. Virage 1, c'est le dernier. Allez. Allez, dernière ligne droite. Allez. C'est une finale. Pour se faire mal. Ah, il aime la souffrance. Ah. Allez, fais le finish. Bravo. Yes. Allez, on fait le job jusqu'au bout. Virage 0. On va aller vraiment jusqu'en haut de l'Alpe d'Huez. Les vrais 21 virages de l'Alpe d'Huez, c'est arriver à l'Alpe d'Huez. On continue de monter. Petit pump track. On est obligé de faire un tour dedans. Hein. Hop.
chaud, je viens de monter là, c'est drôle, c'est comme ça. Ça c'est gravel. Bon voilà, arrivé à l'Alpe d'Huez, 1h12 pour la montée, donc plutôt content. J'ai pas battu le record du monde, mais en tout cas je suis arrivé en haut. Et là où je suis très content, c'est que en vrai je me suis fait doubler que 2 fois et j'ai dû doubler un paquet de monde, donc voilà, plutôt cool pour quelqu'un qui a pas l'habitude de faire vraiment beaucoup de vélo de route. Donc c'est top. Maintenant le truc le plus fun, la descente. Et d'ailleurs, vu que j'ai un gravel, vous voyez, d'ailleurs ça n'a pas été, pour vous expliquer, ça n'a pas été très simple. Vu que j'ai des pneus assez larges avec des crampons, j'avais beaucoup moins de rendement qu'un vélo de route et ça se voyait. Donc ça n'a pas été un avantage pour moi, mais bon, ça l'a fait, les pneus sont quand même assez fins.